si j'ai trop peigné. Tu m'aimes pas vers Amen. Je te pardonne, mais quand même. Quand je te vois, tu mérites que je te fasse un combo à la Youssef Ouganem. Bienvenue à Pattaya, Thaïlande, pour un nouvel épisode, épisode exceptionnel, je l'annonce déjà, avec le très, très légendaire et très célèbre Youssef Ouganem. Monsieur Youssef Ouganem, est-ce qu'on peut commencer cet épisode? Ouais, par plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Youssef Ouganem, je suis un boxeur professionnel de 33 ans. J'ai effectué environ 250 combats dans ma carrière. Je rassemble plusieurs titres de champion du monde et de champions prestigieux dans mon domaine et ma discipline qui est la boxe thaïlandaise. Je vais suivre ma quotidienneté et comprendre qui je suis durant ces deux jours, j'espère. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on se trouve? Je suis dans un camp d'entraînement, on est à Pattaya, dans mon infrastructure. Enfin, ma nouvelle, comme vous voyez, il y en a un peu bordélique. Bon, ça va pas toujours être le cas. Il y a aussi des affaires, parce qu'il y a une nouvelle construction. Tu as créé cette structure quand et pourquoi? En 2014, je l'ai créé pour trouver quelque chose qui me correspondait à moi, parce que je ne trouvais pas ce que je recherchais toujours. J'ai fait beaucoup de camps, j'ai beaucoup étudié la boxe en étant élève, puis j'ai décidé de rassembler les personnes pour rendre cet événement, enfin, rendre cette structure forte. C'est le dernier investissement, c'est mon infrastructure. C'est un terrain que j'ai acheté et j'ai mis des habitats au fond et progressivement, je vais améliorer ça. La chose la plus importante, mon fils. Ton fils s'appelle comment? Il a quel âge? Il s'appelle Yusri. Il s'appelle Yusri, il a 12 ans. Donc il est à moitié belge, thaïlandais. Il est moitié marocain. Marocain. Moitié marocain, moitié thaï. Et aussi belge, par nationalité, de point de naissance, mon pays de naissance. I say you tall, hein? Ok. Yeah, ok, you can talk in camera, you know, don't be shy. Bon, on va encore investir, tu vois. C'est le début, mais c'est des beaux débuts quand même, vous le. Voilà. Là, c'est là où les boxeurs se pèsent, fais attention. En boxe, on vérifie beaucoup les poids. Fais attention au gramme près, les catégories et comment ça fait, surtout les derniers jours avant. T'es quelle catégorie toi? Je suis un poids moyen. Poids moyen. C'est un membre important du camp. C'est un chien de la rue que j'ai recueilli. D'accord. Ils sont trois. On n'a pas de prénom, mais on l'a surnommé Lily. Là-bas, c'est les trophées. L'effigie de l'infrastructure. Petsaman, ça veut dire diamant. Pets, diamant dur familial. Et ça a été fait par la team Ouganem. Je voulais pas mettre mon nom en avant. Je voulais pas que ce soit véhiculé de façon vulgaire ou que ce soit en tous les sens mis et tous les sens placé. Tu vois, t'as beaucoup de gens comme ça, ils aiment bien placer leur nom, placer dans quelque chose de une sorte d'ostentation. Moi, je suis pas un partisan de ce genre de choses. À Bruxelles, j'ai un club aussi, ça s'appelle Bruxelles Fight Sport. Il y a des bons boxeurs aussi. Ouais. Je t'y inviterai à l'occasion. Plaisir. Un élève très studieux, il arrive à l'avance, mais il repart le premier. Donc, il n'est pas si parfait que ça. Là-bas, tu as les chambres des entraîneurs et des boxeurs. Un boxeur que j'ai à moi, à taille, donc ils sont, que j'ai à moi. Personne n'appartient à personne, mais ce contrat avec moi. Quoi. Du coup, les gens qui viennent là, est-ce que c'est comme un club de boxe en France ou en Belgique où tu payes pour venir? C'est un camp d'entraînement. Tu investis ta formation. Parce qu'il y a plusieurs entraîneurs que je mets en place. Il y en a cinq qui sont là matin et soir, du lundi au samedi. Et moi, je suis un superviseur et j'ai aussi une méthode que je transmets à ceux qui sont intéressés. Il faut savoir aussi que la boxe thaïlandaise, c'est aussi un art martial. La boxe thaï sur le ring, ça a été formaté pour la compétition avec des règles, avec des gants et tout. Bon, certaines compétitions aujourd'hui, ils le font sans gants aussi. C'est un sport, aussi, on appelle ça l'arme au 8 coups. Il y a les poings, il y a les coudes, les coups de genoux, il y a les projections. Et tu restes tout le temps debout. S'il y a une amenée au sol, c'est au-dessus de la ceinture. Tu peux jeter quelqu'un au-dessus de la ceinture. Tu peux l'attraper par la jambe, mais tu ne peux pas aller chercher sa jambe. Parle pas très bien l'anglais. Pas très expressif, mais il a un grand cœur. Comment tu recrutes les coachs? Sur des critères bien précis, il faut qu'il y ait un feeling. Bon, là, il n'y a pas trop de feeling, mais il a le feeling avec moi. Il ne savait pas comment se comporter face à la caméra parce que ce ne sont pas des gens qui sont dirigés vers la caméra. Bon, c'est des gens qui ont un peu des principes qui sont proches des miens. Et on s'y retrouve et tout ce qui est très heureux comme ça. On fait des performances, des résultats. De toute façon, c'est vite le savoir. Quand quelque chose est bien fait, quand il y a une bonne alchimie, il y a quelque chose qui est bien développé, il y a des résultats qui viennent au bout, tu vois. Là, on est heureux comme ça. J'ai l'impression qu'on arrive ici,
Déjà, c'est hyper calme, hyper paisible. Et j'ai l'impression d'être rentré comme dans une bulle. Et d'un coup, tout le stress est tombé. Est-ce que c'est normal que je me sente comme ça en arrivant ici? Il y a une accalmie parce que le climat, il est calme. On est dans une banlieue de Pattaya, on n'est pas dans Pattaya. Indépendamment du mot Pattaya et de tous les stéréotypes et clichés qu'il y a sur Pattaya, c'est pas ce Pattaya-là qui est vraiment Pattaya. Param, he's from Iran, il vient d'Iran. Okay. C'est un boxeur professionnel qui a 19 ans. Il est avec moi depuis plusieurs mois. He's couple of months with me. Par contre, lui, il vient à l'avance, il part le dernier. Le pays du sourire. C'est vrai. Comme disait Dante, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tout gentil. Allez, en route. Ministre de la communication et de la vidéo. Exactement. Nous, on roule entre 10 et 20 km/h, oui. On ne roule pas comme des fous et on reste plutôt de la route. La maison en construction. Si tu peux nous attendre ici, pour 5-10 minutes on revient. Là on a un rendez-vous avec le divin. T'as déjà fait une prière musulmane? Jamais. Tu vas faire les ablutions. Quand t'es tout seul, c'est très facile de prier. T'es en direct avec Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de... Tu vois, et c'est direct. Et tu peux prier qu'avec une seule sourate ou deux. Tu ne dois pas connaître le Coran par cœur. Tu vois. Arrivé en plein Ramadan. Je vais faire les activités du Ramadan. C'est-à-dire? Toi, tu vas manger. On va te servir à manger, mais nous, on réduit un peu l'intensité. En tout cas, moi, personnellement, tu vois, je réduis l'intensité. Ça va, Eddy? Par exemple, maintenant, au lieu de faire 30 secondes de pause, je vais faire 2 minutes. Tu comprends? Au lieu de faire un round de 10 minutes, je vais faire un round de 4 minutes. Au lieu de faire un round de 5 minutes, je vais faire un round de 3 minutes. Au lieu de faire un round de 3 minutes à fond sur quelque chose d'explosif, ou sur un round de 1 minute, sur quelque chose d'explosif, ou 30 secondes, bah, je vais faire la moitié. Tu vois, je réduis. Tu t'adaptes? Non, je m'adapte pas. J'adapte. Joachim, il est membre de l'équipe de France de boxe thaïlandaise. D'accord. T'es encore actuellement membre ou ouais, toujours. Il vient parfaire ses techniques et perfectionner ce perfectionnement. Il est dans l'équipe nationale de Maurice. Okay. C'est l'un des plus grands espoirs. Comment tu sais que c'est un grand talent? Ah, tu le vois direct. Tu le vois dans comment la personne se comporte et comment elle traite l'information dans l'hostilité, dans les combats, dans la compétition. Tu vois comment la personne elle fait. Le potentiel cérébral, il est très important en boxe parce que tu joues une danse très dangereuse et tu prends des coups super violents et tu remets des coups aussi super violents. Parfois, il faut bien rentrer, bien sortir, bien regarder, sortir des angles. Parfois, ça se calcule à des millièmes de seconde. Et le timing, il se calcule à des millièmes d'opportunités, tu vois. C'est de part. Il y a des moments où tu mets les coups. Bon, c'est ce qui rend l'élément excitant et ce qui fait lever les foules et qui remplit les salles. Il faut aimer ça. Et tu te jures que tu joues matin et soir, tu ne le fais pas toujours avec le sourire. Mais c'est une quotidienneté à intégrer dans son mode de vie du boxeur. Pour moi, par exemple, la boxe, elle prend 80% de ma vie. Et ceux qui sont avec moi, ils s'adaptent. Tu dirais qu'ils ne vont pas cracher sur la soupe dans laquelle ils mangent, tu vois. C'est mon travail et c'est aussi ma passion. Et... Tu dis travail avant passion? Passion avant travail, c'est un choix des mots. En français, le choix des mots est important. Ouais, c'est un travail. Sur le long terme, ça devient un travail, tu vois. Mais c'est avant tout une passion. Tu vois. Je ne me suis pas investi. En fait, je sais que c'est une passion parce que je me rappelle que je me suis lancé dans quelque chose sans avoir en tête un salaire. D'accord. Tu vois, pendant des années, j'ai fait quelque chose sans penser à combien ça allait me ramener. Donc j'ai beaucoup investi. Moi, c'est lui mon entraîneur principal. Il est timide dans la caméra. Il chante encore, ce mec? Bon sport.
mets à côté de nous, de gauche, de gauche, de gauche. Voilà, tu vas partir. Ça va. De gauche, droite, pardon. Genou gauche, ça va. Coupe, directement. Ça va. Coupe. Là, directement, non. La répétition des mouvements, ça crée la perfection. Si maintenant la personne veut grandir et passer à l'année supérieure, elle doit faire des répétitions. C'est indéniable, c'est inévitable. 80% c'est dans la boîte crânienne que ça se passe, dans le développement personnel de l'athlète, dans ses développements de performance musculaire. Tout est pratiquement mental. Après, si tu primes que sur la pensée, il ne faut pas tomber dans le piège d'être dans la réflexion. Ce n'est pas un sport de réflexion. Enfin, tu fais de la réflexion, mais tu fais de la réflexion en dehors de ta boxe. La boxe, il ne faut pas analyser tes mouvements, sinon tu les perds. Et il faut les répéter pour les fluidifier. Il faut que ce soit comme un poisson dans l'eau, quoi, tu vois. Gustave ne vous l'a pas montré, mais du coup, comme ça, qu'en entraînement, les gens peuvent dormir sur place. Il y a ici les toilettes, la douche. La petite maison, alors c'est surtout pour les entraîneurs. Est-ce que tu peux te présenter et te dire et nous dire ce que tu fais ici? Je m'appelle Joachim Ouraguié, j'ai 27 ans. Je suis venu en Thaïlande pour améliorer ma boxe, préparer quelques combats et saisir les opportunités qu'il y a à saisir. Pourquoi être venu ici spécialement dans le camp de Youssef? Déjà depuis à peu près 2017, je viens chez lui parce que c'est l'élite mondiale. Et là, tu t'entraînes avec l'élite mondiale et il n'y a pas mieux. Il est 22 fois champion du monde. Déjà juste là, ça confirme son statut. L'intensité, ça n'a rien à voir. Là, on est là deux fois par jour, 6 jours sur 7. On tape 12 entraînements dans la semaine. De quoi est constitué l'équipement d'un boxeur thaïlandais? Un bandage de son cœur et de ses idées. Après, c'est son physique, de comment il s'entraîne. Après, c'est les gants, le protéchibia, le dentier, la coquille. Des petits squelettes, des petits, toutes sortes de choses. La main, elle est complexe. Et une main cassée, après, c'est jamais comme avant. Après, la main, par exemple, comme ça, il n'y a que l'humain qui peut le faire. Enfin, aucun robot qui peut égaler une main. Tu vois, une main artificielle, ça équivaut jamais à... Il y a trop de... C'est trop complexe. Donc, il faut se bander les mains. Comme j'ai des mains qui sont blessées à des moments, à des endroits différents, j'ai des fractures à des endroits différents, donc je ne bande pas les mains de la même façon. Ouais. Toi qui as tout connu, qu'est-ce que tu cherches encore à travailler? Je cherche à travailler moi-même. L'erreur, elle est toujours en soi-même. Même la perfection, elle peut résider longtemps, mais ne réside pas à l'intérieur. Toujours des erreurs qui vont venir. Des fautes de principe aussi, parfois tu peux changer tes principes sans t'en rendre compte. Tu peux te retrouver les bas ballants. Et au tournant, t'en as un qui t'attend, qui est plus jeune, qui va t'éteindre. C'est la dureté de ce sport. J'ai plusieurs titres mondiaux. C'est pas parce que t'es champion du monde que t'es le plus fort dans le monde, tu vois. T'es juste champion du monde au moment opportun. Dans la fédération confirmée, ben, je suis à très haut niveau, je suis très fort. Hein. Je le sais, je suis pas con, tu vois. Mais je pense que sur Terre, il n'y a pas quelqu'un d'ultimement fort. Ah, j'ai marqué l'histoire de la boxe, ouais, c'est les spécialistes qui le disent. Après, moi, j'ai l'impression que j'ai rien fait parce que je suis passionné. C'est la bagarre avec ton fils. Pédagogique. Qu'est-ce que tu essayes de lui enseigner? Rien, c'est difficile pour lui, jeune, hein, tu vois. Les organes des enfants sont plus fragilisés quand ils sont jeunes. Après, ça se renforce. J'écoute mon père et ma mère, que leur père, leur âme. Ils me disaient toujours, ma mère me disait souvent, elle dit, n'écoute pas celui-là qui te fait rire, écoute celui-là qui te fait pleurer. Certains moments, il y a des vérités indéniables que je préfère lui imposer moi-même. Il trouvera ça beaucoup plus normal que des gens de l'extérieur lui fassent quelque chose de pas bien. Le monde, il est pavé de bonnes intentions, hein, tout comme l'enfer dedans. Pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris, parce que Youssef est assez modeste, mais c'est absolument une légende, hein. C'est le Zinedine Zidane de la Muay Thai, hein. Le fait qu'il nous accueille comme ça chez lui, c'est quelque chose de très rare et d'exceptionnel. Wow.
Hop. Hop, hop. Hop. Chop. 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 Hop. Hop. Ten, one, two, three, four, eight, nine, six, seven. Pourquoi tu mets du Vivaldi quand tu frappes les sacs comme ça? C'est ma musique favorite, les quatre saisons. L'hiver, tout le passage de l'hiver, j'adore. C'est une des premières choses que j'ai fait quand j'étais à Venise. J'étais visiter la maison de Vivaldi. Puis après, j'étais regarder Da Vinci. C'est l'histoire de Roi Lion qui devait être pris sur lui, quoi, tu vois. Mais bon, après, pas voulu donner ses droits, donc ils ont mis un lion à la place. J'ai bu un peu trop, j'ai un petit mal de tête. Là. Quel est le programme du soir, fin d'entraînement? Que fait-on maintenant? Ben, on se repose. Rien de glorieux. Ma vie, elle n'est pas spéciale. Et rien de particulier. Grand déménagement. Du coup, Youssef fait rénover une nouvelle maison. Il faut déménager. Alors, c'est un frigo. Vas-y, roule, là, ça fait sort. Braque, hein, c'est braque. Déménagement nocturne, en effet. Ouais. Prends service, tiens, frigo, ça. Pas ton mec au frigo, sinon. Être en demi avec, et je vous l'ai déjà dit, il peut tout se passer. Bienvenue dans la nouvelle future maison du Youssef. C'est ma belle, non? Je l'ai rénové, la maison. J'ai plein d'autres trucs. Je ne montre pas. C'est mon lit, ça, pour ce soir, non? Ouais. Je vais être bien. Attends, on peut être à 3 dessus déjà. C'est pour ça qu'on l'a pris. Dans les soucis, j'ai trop peigné. Tu m'aimes pas vers Romain. Je te pardonne, mais quand même. Quand je te vois, tu mérites que je te fasse un combo à la Youssef Bouganem. Il aime bien la boxe style. Il aime bien les combats. C'est quoi un combo à la Youssef Bouganem alors? Je sais pas, mais moi je sais pas ce que c'est. Mais moi je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est les coups de genoux et les coups de pied. Manu, ciao. Le grand artiste, putain. C'est un espagnol qui a grandi à Paris. Pas bien le français, mais qu'est-ce qu'il chante bien. Il chante avec ses tripes. Hein. Oui, mes amis. Chien de la rue, ça. Je leur donne à manger, donc maintenant, on reste toujours avec moi ici. Je te jure, je t'aurais mis avec les boxeurs, t'aurais été très très heureux. Mais t'aurais souffert. Je laissais Netflix, ça tu aimes ça? J'ai même un compte Disney+. Il y a la Wi-Fi ici ou pas? Il y a un ordinateur, il y a le Wi-Fi, il y a la 4G illimitée. C'est génial, j'ai vu ici. C'est comme chez toi. C'est gentil. Mais ça. N'oublie pas que tu es chez moi. Dans tes beaux yeux noirs, je sombre mon amour. Écoute la valse française parisienne. C'est bien parce que t'es... Polyvalent. Ouais, t'es polyvalent. Hein. On passe de même ciao à Jou là. After ciao, we go to Kundo and then we go eat. C'est ton fils et vous parlez en anglais. J'aspire à ce qu'il. I would like you speak French, but. Il a appris que les gens d'à côté, tu vois, parce que moi j'étais pas très bavard. Là je rigole un peu plus avec lui. Ouais. Non, when I was young, we not talk too much, no. Because I don't know how to speak. We are always together. I take care of him. J'ai pris soin de lui depuis qu'il est tout petit, hein, je l'ai éduqué. Non, I make you grow, non? Yeah, and I only have you one word. Belgium, when he was young, he have 1 year old, 2 year old, he stay with me. Il restait avec moi, tout même avant qu'il marche. I thought you can speak on 7 year old. Moi, j'étais pas très bavard, j'étais dans un mutisme un petit peu, tu vois, quand j'étais plus jeune, tu vois, quand j'avais 25 ans, 24 ans, 22 ans, 21 ans. Et du coup, tu veux pas lui apprendre le français? Non, si je veux lui apprendre. L'environnement, il fait que, tu vois, tu parles l'anglais, tu parles thaï, et dans une école un peu anglais soutenue, tu vois, c'est Cambridge, c'est l'enseignement Cambridge, truc anglais. Là. Malgré que c'est une très belle langue, et putain, quelle élocution, quelle poésie, le français. Non, je dirais pas le contraire. Voilà. Tout à fait. C'est pas lui qui écrivait les textes, hein, mais qu'est-ce qu'il chantait bien? Des fleurs des dentelles pour que tes nuits soient douces. Le gré, je te promets des clés, du secret de mon âme. Des rires à mes larmes. Je te promets la vie, de mes rires à mes larmes. Je la connais par cœur, moi. Je te promets le feu à la place des armes. Et jamais des adieux, que des au revoir. Tu vas dormir là, en fait, au milieu. Oui, j'ai dormi là. Entre les mètres, parce qu'il y a des boxeurs qui sont partis en rejoint leur famille, tu vois. Pas de lumière, quoi. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien en fait, il y a juste un seau d'eau. Il y a un jet d'eau, il y a la douche à côté aussi, mais ça c'est mieux, je préfère ça. Tu dois travailler l'esprit et l'âme. C'est vrai. Je prends quand même mon. Ouais, fais ce que tu veux, regarde. Allez, douche-toi.
On apporte une bonne action. Changement de plan finalement. Je ne dors plus là. On me propose de dormir dans un appartement. Moi, c'est volontaire. Moi, je fuis le luxe. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui fuit ce genre de choses. Je fuis. C'est un choix de vie. Je fuis les belles choses, mais je possède des belles choses. C'est paradoxal. Je loue les appartements, il faut bien que je nourris ma famille. Je fais des investissements, je nourris mes enfants et tout, tu vois. Moi, je veux dire la vérité, ça m'arrive longtemps, ces derniers mois, de dormir là dans le canapé. Hein. C'est pas parce que j'ai pas les moyens, c'est parce que je veux me mettre dans cet inconfort. Tu vois, le boxeur, il a besoin d'être dans un inconfort. Faut pas s'en bourgeoiser. C'est la règle numéro un. Je prends des bonnes bourses, hein, je prends des gros cachets. Hein. Mais j'aime bien la simplicité. Tu parles thaïlandais quand même? Le thaïlandais de la street, pas le noble. Je parle mieux français et je parle mieux l'arabe que le thaï. En français, je m'intéresse à la littérature, à la philosophie, tu vois, à l'orthographe, tu vois, même si je fais des fautes d'orthographe. J'aime bien les poésies, les belles lettres, les belles écritures, le bel italique, le L comme ça. Merci beaucoup. Moi, je t'en prie. Grand plaisir. Fin de la soirée, la journée a été hyper longue, c'était absolument passionnant. Youssef est vraiment quelqu'un de passionnant, j'ai l'impression d'apprendre plein de choses. Finalement, il a décidé de ne pas me faire dormir au camp, lui va dormir au camp. Il m'a dit, il faut que je t'accueille quand même bien, donc je vais très très bien dormir. Et je vous dis à demain. Il fait chaud, nouvelle journée, messieurs, dames, à Pattaya, toujours en Thaïlande. Le sourire, le bonheur, on va retrouver Youssef. On va aller profiter un peu de la piscine qui est juste en bas de l'appartement. C'est parti pour une nouvelle journée. Ah, on est bien là. Commençons cette matinée de la meilleure des façons, mon cher Youssef. Avant que tu t'endormes, c'est l'heure des cadeaux. Comme tu m'as bien accueilli, forcément, un cadeau pour toi. C'est deux livres. Ouh. C'est deux livres. Comment devenir riche? Le chef-d'œuvre de Jack London, vertigineuse et tragique. Pourquoi ces deux livres? Déjà, tu m'avais dit que tu aimais énormément lire. Toute proportion gardée, je trouve qu'il y a des similitudes avec ton parcours, notamment Martin Eden de Jack London, où c'est quelqu'un qui part de très loin, qui est un marin qui est très pauvre, qui part un peu des classes sociales très basses, et qui s'émancipe. Grâce à la littérature, en fait, il rencontre une jeune bourgeoise qu'il veut séduire, et pour séduire, il se met à apprendre à écrire, et il s'avère qu'il écrit très bien et qu'il devient un auteur à succès. Toi, c'est par le sport, mais aussi un peu par la littérature. Tu le dis souvent, il y a eu des années, des très longues années, où tu étais dans un mutisme et tu faisais que de lire. Est-ce que tu peux nous parler de cette période? Pourquoi tu étais dans ce mutisme et qu'est-ce que tu lisais? Ouais, c'est des questions compliquées, hein. C'est des questions très très personnelles et avoir des réponses sur des faces aussi faibles et à la fois qui t'a rendu plus tard aussi fort, c'est assez complexe à répondre. Positionner sur ça, à l'âge que j'ai aujourd'hui, ce serait peut-être pas te donner toute la version des faits, tu vois. Après, je suis pas prêt à tout livrer et à tout dire, tu vois, mais il y a eu... un passé difficile et une sorte de résilience. Ah, qu'est-ce que je disais comme livre? Ça dépend. Toutes sortes de livres. Hein. Après, les classiques aux classiques, les Paulo Coelho, tous les livres, je crois qu'il en a plusieurs dizaines, tu vois. Miyamoto Musashi. Si je te parle maintenant du livre que j'ai vu, c'est comme si je te livre, je livre mon intimité, tu vois. C'est des livres publics, tu vois, mais c'est... Tu vois. J'ai des livres que j'ai préférés, d'autres que j'ai pas aimés, mais... Je sais que tout m'a servi. Même les livres que j'ai lus qui ne m'ont pas servi, par exemple, sur le bon moi-même. J'ai lu un jour un livre sur Ford. Tu vois, et c'est un mec qui n'a pas été à l'école, mais qui a réussi, tu vois. Ça m'a marqué, tu vois. Au début, je me disais, ça ne sert à rien. Mais en grandissant, ouais, ça m'a servi. Pourquoi tu te rends compte des choses que tu lis maintenant, que tu penses que ça ne te sert à rien, quand tu es face à certaines épreuves, face à des vérités que tu as déjà vues, tu vois. Mais en fait, ces vérités, tu les as vues dans des livres, parfois bidons. Les livres, ça aide beaucoup. Parce que tu crois que le livre est bidon, mais le livre n'est pas bidon, tu vois. Tu comprends? Chaque histoire reste quand c'est les écrits. Tu considères ta vie comme un personnage de roman ou pas? Non, c'est pas la vraie vérité, tu vois. C'est pas assez brut. Ouais, la vérité, elle est beaucoup plus brute. Tu sais, c'est comme une réalité cinématographiée, une réalité réelle. Tu peux faire un beau film en une heure et demie. Hein. Tu peux raconter la vie de quelqu'un. Une journée, ça dure 24 heures, tu vois. Donc déjà, tu es en retard, tu peux pas raconter des années en une heure et demie. Mais le roman, c'est pareil. Ça a l'air pas mal, les livres que tu m'as ouvert. Merci, je vais les lire. Moi, j'ai un gros problème, je me souviens pas toujours du titre. Je me souviens des histoires. Comment les livres t'ont vraiment aidé? Ça m'a donné une instruction, ça m'a donné des consignes.
ça m'a donné, voilà, tu vois, quand t'es prévenu, ben, tu sais, tu vois, ça te donne des expériences. Tu apprends des expériences des autres. Tu vois, même quand quelque chose est romancé ou qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas réel du tout, ben, c'est toujours une leçon derrière quelque chose. Tu peux acheter tout dans cette vie sauf l'expérience. Ouais, mais toi, justement, tu as connu cette vie très dure, très jeune. Ouais. Mais après, tu veux savoir si ce que tu vis est normal, donc tu te testes. Et moi, je me suis beaucoup testé à travers le livre parce que j'ai vu des choses que j'ai dû comprendre et que je comprenais pas. Non, je croyais qu'il y avait des choses qui étaient de ma faute. Socialement, j'étais dans les autres endroits, j'étais quelque part assez loin. Je suis déjà retrouvé dans des trucs en Mongolie où ils ont des autres cultures, des autres civilisations. Mais le fait de le réaliser, de le voir, c'est une expérience qui n'a pas de prix, tu vois. C'est donc ça, la belle vie à Pattaya. Et lui, en fait, c'est un ancien combattant que Youssef fait travailler comme coach. Et en fait, il est sourd et muet. Mais il s'amuse comme un fou. Hein. On se demande si je suis au travail ou en vacances. Qui est cette personne que l'on voit depuis tout à l'heure? C'est quand même un membre de la famille. C'est un membre de la famille de part entière. Il s'appelle comment? Tu l'as rencontré comment? Il s'appelle Pibaï. Ça veut dire grand frère sourd et muet. Je ne connais pas son prénom. Ça fait 15 ans que je le connais. Et il vit avec moi. Je crois qu'il passe des bons moments avec moi. Pourquoi tu as décidé qu'il vienne vivre avec toi? Ah, c'est le premier qui m'a aidé, tu vois, dans la boxe. C'est la première personne que j'ai rencontrée dans un stadium de boxe. Il a une carrière en boxe avant. Qui est étonnant pour un sourd muet et il est fort, quoi, tu vois. Donc la bonne connaissance de la boxe, et j'aime bien ce qu'il fait. D'accord. Et j'aime bien son cœur, j'aime bien son âme. Enfin, c'est connecté direct, tu vois. On a accroché direct. Et je pense que c'est réciproque, il m'aime bien aussi et qu'il aime bien mon âme. Tu vois. C'est le mec qui va rester le dernier, quoi, tu vois. Jusqu'au bout. Donc il a sa pièce chez moi à la maison, il a sa pièce dans le camp aussi. Et il a plus de confort que tu as aimé rassembler. Tu veux pas m'apprendre des bases? Oui, j'ai failli tomber. Avance avec tes jambes, ok, la tête. Oui, oui. Tu reviens en garde. Tu repenses à tout, on va faire. Comme la vie, vous pensez à tout dans la vie. Hein. Merci, monsieur le coach. Est-ce qu'il y a des qualités ou pas? Qualité indéniable. La qualité, c'est que t'es longiligne. Qualité physique. Je vais un peu m'exercer, ça va. Parce que je travaille un petit peu, même si c'est le ramadan. La séance avec un petit jeu de pastèque. J'ai une question, Youssef. Juste pour contextualiser, à quel moment tu t'es dit je vais me mettre à la Muay Thai et à quel moment tu t'es dit je vais aller en Thaïlande? Moi, je suis arrivé un peu au hasard vers la boxe thaï. Hein. Rien de spécial, tu vois. C'est le quartier, tu vois. Un souci d'école, tu fais des petits. Tu vois, à l'époque, on appelait ça des face-à-face. Donc, chaque mercredi, vendredi, il y avait des face-à-face. Chaque week-end, il y avait des face-à-face au quartier contre des autres quartiers. Il y avait des 2 contre 2, des 3 contre 3, des 1 contre 1, tu vois, des trucs loyaux, des trucs pas loyaux. Donc il y avait un club de boxe qui est ouvert chez nous dans le quartier. Quand il a ouvert, on est partis tous s'entraîner là-bas, tu vois. Et les seuls qui ont continué à s'entraîner, ben,
il y avait moi et quelques mecs, tu vois, et puis avec le temps, il y avait de moins en moins de mecs, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme genre Star Academy, c'est comme Koh-Lanta, tu vois, t'arrives, vous êtes 50 et à la fin, il y a un seul vainqueur, tu vois. C'est ce qui m'a plus aidé parce que ça m'a éduqué. Ça m'a sorti des petites délinquances, ça m'a sorti de plein de choses, ça m'a appris des principes de vie. Puis après, j'ai commencé à acheter des cassettes vidéo, là, DVD. Quartier asiatique, tu vois, à l'époque, c'est les DVD. Donc, les trucs des combats, et j'ai vu de la boxe thaï, j'ai vu des combos Lumpini, je suis devenu fou. Puis j'ai vu de Stéphane Ikema, des boxeurs prestigieux. J'ai vu Dida Diafat, tu vois, j'ai vu genre Joe Prestia, des mecs qui c'est Ramon Decker. Donc, j'ai vu des boxeurs, j'ai vu Danny Bill, tu vois, j'ai vu des boxeurs quand même assez prestigieux. Qui allaient défier les Thaïlandais chez eux, tu vois. Ça a commencé à me faire rêver, tu vois, parce que ça m'a fait rêver. Ça a commencé à être une ambition, on va dire. Je suis venu ici déjà à mes 14 ans, j'avais déjà ça en tête de venir ici. Je suis venu ici à mes 17 ans. Ouais. Ouais, j'ai fait un tournoi de boxe en Hollande. Tu vois, j'ai pris l'argent et je suis venu tout seul. Un billet aller, pas de retour. Non, j'ai pris un billet aller retour. Hein. Mais j'ai changé. Ouais. Je vais venir pendant 2 mois, à la fin je suis resté 4 mois. J'avais un contrat aussi de boxe là-bas professionnel avec une société de management qui était quand même prestigieuse, tu vois. J'allais quand même faire une grande carrière en Europe, tu vois. J'avais quand même un talent. Une quarantaine de combats avec autant de victoires. Mais bon, j'ai choisi la Thaïlande, tu vois. Ce que j'aime bien, c'est l'ambiance comme ça. Une fois que tout le monde est parti, Youssef est au fond, il se repose. C'est très très calme, c'est très serein. Je voulais juste apporter une petite précision qui, je pense, peut aider à contextualiser parce que Youssef n'en a pas forcément parlé et on respecte son droit de ne pas en parler. Il a parlé, quand je lui ai offert les cadeaux tout à l'heure, d'une enfance difficile. Là, il a dit qu'il avait quitté la Thaïlande très très jeune. C'est aussi parce qu'il a perdu ses deux parents quand il était très jeune. Mais les membres des forces d'autodéfense nippones, créés en 1954, avec les ils ont longtemps œuvré dans des missions humanitaires. Ouais, moi, je regarde le soir, je regarde des reportages, je lis des livres, tu vois, des trucs comme ça. C'est un moment où tu peux décider où tu te concentres ça sur toi ou tu te concentres sur les autres ou sur jouer à la play. J'ai des contacts avec ma famille, tu vois, c'est tout, tu vois, j'ai mon frère et ma soeur. Je préfère passer mon temps à regarder quelque chose de constructif. Après, je regarde pas tout, n'importe quoi, tu vois, je distingue des choses. Arte, c'est plus ce que c'était, hein. Arte, à 20 ou 30 ans, c'est quelque chose de reportage Arte. Hein. Nos jours, c'est plus simple. Est-ce que tu as peur des séquelles que tu pourrais avoir, par exemple, au cerveau ou pas du tout? Non. J'ai plus peur, par exemple, de faire quelque chose de pas bien, de perdre, de prendre un contre et de perdre à cause du contre, mais les séquelles du contre ou contre. Tu sais, parfois, il y a des mecs qui gagnent, ils ont plus de séquelles que le mec qui a perdu. Tu vois. Je fais ça depuis très longtemps. J'ai canalisé cette violence, c'est banalisé en moi. C'est violent, bien sûr c'est violent la boxe, on va pas mentir. Le foot aussi c'est violent, tu prends un tacle, on fait sauter tes ligaments croisés. C'est discutable, on sait pas savoir ce genre de choses. Je ne tiens pas genre le dessin entre les mains. Les plus prévoyants ils font des scanners. Les autres ils s'en mettent à dur. Dernière nuit à Pattaya, en Thaïlande. C'était juste absolument exceptionnel. J'espère que vous avez apprécié. Demain, il y a encore la confession. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vous dis pas l'heure qu'il est parce qu'à chaque fois, on dort en décalé. Faites de beaux rêves. À demain. Fin d'un épisode flamboyant. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous regarder. C'est l'heure de la confession, messieurs, dames. Youssef va se confesser. Il a quelque chose d'important à vous dire. On arrive à la fin du tournage. Ouais, y a beaucoup d'images. Ouais, il reste le montage, on va voir ce qu'il va faire. J'espère que ça va vous plaire, que le contenu va être prenant pour vous. Ça a été magnifique avec Florian, garçon attachant. On a beaucoup discuté durant les 2 jours. Alors, on se voit bientôt et prends soin de toi, Florian.